On s'engage à fournir des logements de qualité. On est parti d'un exemple Sablé où on a pu créer sur la ville des Sables-d'Olonne des hébergements de qualité qui ont pu attirer, mais clairement, les étudiants et les internes et qui ont facilité les installations. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir dupliquer ce modèle avec ce cahier des charges qui est proposé dans la charte sur l'ensemble du territoire vendéen. On a de nombreuses collectivités qui ont déjà manifesté leur intérêt pour acheter ou pour louer un logement. Je pense aux Herbiers et Fontenay, par exemple. Et donc, on va continuer à pouvoir dupliquer et avoir une couverture. Partout où il y a des internes qui sont en stage chez le médecin généraliste, eh bien, on les loge, on leur fait goûter à la qualité de vie vendéenne et on leur donne l'envie de s'installer.